J'ai la tête dans le pâté, là. Mais faut que j'arrête de sortir. En plus, je sais, à chaque fois que je bois de l'alcool, je fais n'importe quoi. Putain, je le fais pas dire. C'est ce bordel. Je le fais pas dire. Si on avait dit un jour que je finirais dans le lit de Jeanne d'Arc. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Tu te rappelles pas? On est rentrés ensemble. Tu étais complètement bourré, t'arrivais même pas à conduire ton cheval. Conduire mon cheval, t'es con. T'as mis l'alarme, moi? Non. Ouais. Mais quand tu dis rentrer ensemble, tu veux dire ensemble tous les deux? Non, alors au début, on était avec des copains. On a fait un grand cache-cache géant. Une fois que tout le monde était parti, on a fini ensemble. Et on a... Mais c'est pas possible, moi j'ai une ceinture de chasteté. Oui, et oui. Et c'est moi qui avais les clés. C'est pas très bon pour mon image de marque. Hein. Entre autres, je suis plus celle que j'étais. Ouais. Oh la copine. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends des voix. Non, mais tu peux sortir de ton personnage, hein. Non, mais sans déconner, j'entends des voix. Rassure-moi, on est bien dimanche, là. Ben non, on est samedi. Oh, bordel de merde! Sors de là! Vite! Oh, putain de merde! On est dimanche! C'est vrai, on est dimanche? On est dimanche! Oh là, putain, je croyais qu'on était samedi. Mais quoi, samedi? Eh ben le samedi, je travaille. Putain, mais tu pouvais me dire, attends, ma soirée, mais je sais pas, quand même, enfin. Bah oui, ramasse les bières. Je fais quoi? Va t'habiller, va faire quelque chose, va-t'en, fais quelque chose, casse-toi, vite. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour la visite de la maison natale de Jeanne d'Arc. Alors, c'est un petit peu le bazar, non? Oui, c'est pour la reconstitution historique. Ah, voilà, ah. C'est normal. Alors, sachez que Jeanne d'Arc avait pour habitude, tous les matins, de refaire son lit convenablement, voilà, de la sorte, et puis s'exclamait par la suite, ah! Ça part en couille, hein? Hein? Pardon? Non, je ferais bien une petite prière ce matin, qu'elle disait. Voilà, donc elle se mettait là, donc elle faisait sa prière, bien comme il faut. Alors évidemment, elle utilisait des cierges pour faire sa prière, des cierges qu'elle le plaçait dans cette magnifique armoire en bois massif. C'est qui, en fait? Oh non, trouvé! J'ai encore perdu au cache-cache! Voilà, c'était un Anglais que Jeanne avait emprisonné. Alors, regardez! Donc, cette magnifique broderie, venez voir, approchez! Regardez le travail magnifique, c'est cousu, là! Hein, vous avez vu, c'est joli, hein? Oui. Voilà. C'est quoi comme tissu? C'est du coton! Ah, ouais, d'accord. Et du coton d'où? Du coton d'Inde, comme le petit animal, le coton d'Inde, voilà. Non mais je trouve pas mon soutien-gorge. Qui avait mal à la gorge? Qui? Le cochon d'Inde, il avait mal à la gorge. Et voilà, vous voyez, il avait mal à la gorge. Et du coup, voilà, regardez de plus près, vous voyez. Il est dans le lit. Alors, il est dans le lit, casse-toi. Voilà, et vous avez vu, on voit bien à peu près, que dire de cette cheminée. Regardez cette magnifique cheminée. C'est beau, hein? Très, très joli. C'est essentiellement fait en granit et en pierre de Coubertin. D'accord. Et voilà. Youpi! Hein? Non, youpi! Jeanne criait youpi parce qu'elle faisait un petit repas, donc elle était contente, évidemment. Mais bon, elle allait pas trop près de la cheminée parce que déjà à l'époque, elle avait peur des flammes. Et donc, comme elle avait faim, elle avait beaucoup faim, après elle se disait, tiens, je vais faire une petite sieste. Donc elle revenait près du lit pour... Mais il n'était pas fait, le lit? Non, mais justement, elle refaisait convenablement une seconde fois, voilà, de cette sorte, tout simplement pour voilà, quoi! Hein? Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous nous prenez pour des cons? Non, pourquoi? Bah, parce que. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, ça c'est un string, par exemple. Non, c'est pas un string, c'est un lance-pierre que Jeanne utilisait, voilà, comme lance-pierre. Elle allait chasser les petits lapins le matin, elle lançait comme ça. Boum, elle tirait dans les petits lapins, mais là ça marche pas évidemment parce que le string est détendu. Ah voilà. Donc c'est un string? Non, non, c'est un spring. C'est un terme anglais. Un spring, voilà. Parce que c'est-à-dire que quand on lance, ça fait spling. Voilà. Voilà. Mon string! Hein? Mon spring. Non, ben voilà, il y a quelque chose d'anormal, là, quand même. C'est qui, cette femme-là? Ah. Oui, bon, oui, ben voilà, écoutez, je suis jeune, je suis saisonnier, ça arrive de temps en temps que, bon, voilà, c'est une femme qui... C'est une femme qui a bravé tous les dangers. Une femme qui a pris son courage à deux mains pour bouter les Anglais hors du royaume de la France. Une femme qui n'écoutant que sa bravoure et prêchant la bonne parole par mots et par vaux a libéré la France. Oui, je suis Jeanne d'Arc, fille de Jacques et de Mireille d'Arc. Je vous ai compris. Ah, d'accord. Voilà. C'était une comédienne qu'on a rajoutée dans la visite, tout ça, c'est le petit plus. C'est bien, hein. Ah, c'est bien. Ça vous a plu? Ah, voilà, oui. Là, c'est la fin de la visite, merci beaucoup. Merci. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'est Vincent. Au revoir, au revoir, à bientôt. Oui. C'était bien. Hein. Oh, oui. Merci beaucoup, je ne savais pas comment m'en sortir. Oh, bah, très cadeau, c'était sympa. Puis en plus, vas-y, je mets les costumes, la perruque, c'était excitant. Hein. Ouais, c'était. On ne l'a pas fait sous le pont-levis? Ouais, mais t'as pas des visites, là? Si, bah, la prochaine, elle est à midi. Bah, il est moins 5. Bah, justement. Arnaud Cochon.